Te revoici, Akkar. L'air est toujours chargé d'épices. Qu'as-tu ressenti la première fois que tu as pris une vie? Je m'en souviens à peine. C'était un homme que je connaissais bien. Avant tout cela. Avant ce qu'on ne voit pas. Tu ne t'en rappelles même pas? Mes souvenirs sont enterrés avec lui. J'ai refusé de me laisser hanter par sa mort. Son souffle m'a assez hanté de son vivant. Je ne me laisserai pas définir par le passé, Basim. C'est pour cela que je me considère comme la fille de personne. Si nous ne maîtrisons pas la tempête qui est en nous lorsque nous sommes éveillés, elle envahit nos rêves. Un peu comme toi, avec ton djinn. Bon, voici le souk. Comme l'a dit Rebecca, des gardes sont venus récemment. Ils ont cassé des bouteilles, éventré des caisses. Pourquoi ont-ils agi ainsi? Tâchons de l'apprendre. Ils s'empareraient aussi de marchandises étrangères. Surtout des marchandises venues de l'Est. La voie de l'Est, dis-tu? Je pense connaître quelqu'un qui peut nous aider. Cela fait longtemps, mais il est peut-être encore là. J'aurai grand plaisir à le revoir. Ne laisse pas la nostalgie embrumer la réalité, Basim. Aucun risque. Je sais bien que tout est amené à changer.